Mountains are clouds. Bonsoir. Comment vous allez me choisir? Like to see them go. I can't complain. God is so good to me. He is so good to me. More than these words can see. I can't complain. Sometimes the flood wing low. And I like to see them go. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous comprenez? Merci pour les compliments. Bonsoir. Bonsoir les choisis. Si vous êtes nouveau sur ma page, vous vous dites, mais c'est quoi un choisi? Un choisi, c'est d'abord quelqu'un qui est très beau. Partout où tu passes, tu éclaires seulement les gens. Et la lumière sur ton visage. Tu as un long front comme ça là qui brille. Tu es très beau. Généralement, les gens ne te comprennent pas. Mais ils sont jaloux de ton onction. Donc tu es arrivé quelque part, la caissière te déteste pour rien. Elle te rend la vie dure pour rien. Tu te dis, mais je ne t'ai rien demandé. Je viens seulement pour retirer telle chose, pour acheter telle chose. Mais elle te parle mal. Elle te... Ou encore, ta mère t'a toujours traité comme une moindre rien. Tu vois déjà des mères que... Elle prend ta cousine. Oh, tu es vraiment... Toi, tu as trouvé ma fille, ma vraie fille préférée. Elle passe 3 heures au téléphone avec ta cousine. Alors que toi... Elle se tourne et te regarde. Va là-bas à la cuisine, me chercher ça. Un choisi. Je sais qu'avec les vidéos que je fais depuis quelque temps, vous vous retrouvez. Vous comprenez ce qui vous arrive. Vous comprenez. Entrez les choisis, entrez. Il y a le tarot. Il y a le smoothie. On va commencer à faire le smoothie nous-mêmes. Les arachides. Avant que je ne comprenne ce que c'est qu'un choisi, très souvent je me sentais incomprise. Je savais que j'ai un don en moi. Je savais que j'ai regardé le ciel souvent, je savais que je ne suis pas venue seulement pour vivre, accoucher, mourir. Tu pars au deuil de quelqu'un. Tu regardes comment on enterre la personne. Tu dis que non, je ne vais pas, ma part là, je ne vais pas mourir, c'est pas conduit. Je ne vais pas partir comme ça là. Bonsoir. Bonsoir les choisis. Votre reine est là. La seule. Toujours imitée. Mais jamais. Je veux dire égaler, mais non. Bon, on va quand même dire jamais égaler. En attendant que les bons mots viennent. Entrez, asseyez-vous, bonsoir. La reine Damien, la reine Chana, la reine Grace, l'Alex, bonsoir. La reine Linda, bonsoir. Le roi Christophe, le roi Serge. Bonsoir, Solane, Esther, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On m'a fait le toli. Bonsoir. La reine Domgué. Je crois que tu devrais avoir l'heure d'entrée. Comme ça, tout le monde entre et vous salue une fois. Et puis, on parle une fois. Un choisi qui ne connaît pas encore ses pouvoirs n'est pas moins... Un choisi qui connaît ses pouvoirs n'est pas plus fort qu'un choisi qui ne connaît pas ses pouvoirs. Vous comprenez un peu? Donc, dans le royaume des choisis, celui qui a 100 ans
n'est pas plus fort que celui qui a un mois. Parce que je ne veux pas qu'on sorte souvent les gros mots, on dit choisi. Quelqu'un arrive, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou encore, quelqu'un arrive, il se dit, je sais qu'il y a quelque chose en moi. Il n'a pas encore peut-être 3 ans, ou pendant les 3 ans, il a vu encore et encore comment Dieu lui a montré ses pouvoirs. Ça n'enlève pas ses pouvoirs. Même si c'est la première fois que vous entendez parler d'un choisi, c'est la première fois que vous croyez que vous êtes choisi, vos pouvoirs sont déjà là. Bonsoir. La reine Raïsa, bonsoir. La reine Théophac, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nyuro, bonsoir. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît. Merci. Mettez-moi les likes. Paix sur vous. La reine Valérie Goët, bonsoir. La reine Bargo, bonsoir. Un choisi qui connaît ses pouvoirs n'est pas plus fort qu'un choisi qui ne connaît pas ses pouvoirs. C'est juste que tu connais comment manipuler. Vous vous rappelez de Superman, non? Ah ben oui, la reine Grace, oui. Bonsoir, la reine Kamini. Quand on parle de super pouvoir, est-ce qu'on a des super pouvoirs? Quand Superman avait 8 ans, il avait les mêmes pouvoirs qu'à 25 ans et 35 ans. Donc, ne laissez pas ce petit truc-là vous... Tu vois, je ne connais pas la Bible encore. Oh, je ne connais même pas ce qu'il faut faire. Non, ne vous inquiétez pas, il va vous diriger. Je vais vous lire un passage biblique. Seigneur éternel des armées, toi qui es notre créateur, toi qui es le Dieu de l'univers, tu connais toutes les galaxies, toi qui as parlé et le monde a été fait. Je demande que pour chaque personne qui va m'écouter, que ce soit maintenant, que ce soit en 2028, en 2035, que tu puisses déposer sur eux la grâce de comprendre qui ils étaient avant que tu ne les crées avec toi. Je demande que tu leur révèles quels sont leurs pouvoirs. Comme Jésus a su et à 12 ans, il disait, je devais être en train de faire le business de mon père. Je demande qu'ils aient une révélation de qui ils sont. Une révélation qui ne peut être effacée ni prise par qui que ce soit. Que les relations amoureuses, sexuelles, peu importe le genre de relations, paternelles, maternelles, fraternelles, ne vous enlèvent pas votre identité. Que Dieu vous révèle encore plus à propos de vous-même ce soir. Par ma parole, par ma bouche, au nom de Jésus, j'ai scellé cette prière. Amen. Amen. Mettez mes amen alors. Mariam, tu ne fais pas que rire. Elle, la reine Bargo. Pourquoi tu ris? Voilà. Bonsoir la reine Somme Chom. On a beaucoup à faire sur la terre. On a beaucoup à faire sur la terre. Premièrement, les mêmes anges qui vous protégeaient quand vous aviez un an, vous ne connaissez même pas encore ce que c'est qu'un choisi. Il vous protège même aujourd'hui. Vous êtes incassable, intouchable. On ne peut pas vous faire de mal. Il y a des sorciers qui restent, ils font le... Ils m'ont calculé ma plan. Comment on va faire pour toucher la fille là? Ou le gars là? Qu'est-ce qui protège le gars là?
Demain, ils essaient encore. Ils essaient encore. Et parfois, Dieu vous permet, comme ça, là, vous voyez un peu. Quelqu'un vient me dire, mais qu'est-ce qui fait ta force? Il te parle dans les blagues. Je crois qu'il blague. Alors qu'il a tellement cherché. Les choisis sont protégés par... Donc vos anges sont en train de travailler 24 sur 24. Vous devez être... Soyez conscient. Ne marchez plus dans la rue comme ça là. Non. Je suis une reine. Jésus avait dit à Pilate, je peux commander mes anges, viennent ici là, ils vous défient, vous finissent vous tous. Il connaissait. Il maîtrisait. Quand on parlait à Jésus, Jésus disait, je maîtrise. Maîtrisez vous-même. Bonsoir les nouveaux choisis, entrez, asseyez-vous. Il y a de la place sur le tapis. Sur le canapé, il y a de la place. Vous savez, souvent vous restez comme ça. Hein? Bonsoir la reine Boma. Il n'y a pas de problème. Souvent vous restez comme ça là. Vous sentez comment votre esprit est un peu troublé. Vous savez pas ce qui se passe. Depuis deux jours, deux à trois jours, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de secousses. Genre, tu restes. Hier nuit, alors c'était grave. Je suis restée au bureau, je suis sortie à 22h30, 23, presque 23h. J'arrive à la maison, j'ai à peine à dormir. Je dis, aujourd'hui, la reine lui dit, s'il veut payer ton loyer, qui paye non? Mais il ne te parle pas, tu n'es pas dedans. Foucault, c'est ça? On vient, on te demande. Et le truc, c'est que ces gens-là, écoutez, même chez les blancs, il y a ça. Oh, tu sais, mon patron, c'est un blanc. Il connaît pas. Ils connaissent. Les Decepticons-là, ils connaissent. Parfois, tu vas te marier avec le chef des Decepticons. Il te calcule, il essaie de te prendre n'importe comment. Un beau jour, tu échappes à ses griffes. Tu pars dans notre pays. Donc, il avait prévu de te finir. Que si ce n'est pas lui qui te tue, sur toi-même, tu vas prendre le couteau, tu vas te tuer seul. Tu échappes. Un jour, quelqu'un vient te dire que, mamie, est-ce que tu sais qu'aucune femme n'a échappé à l'homme là? Mais toi, tu es là debout. Tu es debout. Tu es debout. Tu as pris la maison en deux mois, tu as fourni tout, tu as ton. Ouais. Tu as rempli la maison, tu as acheté tout, tout, deux mois. Ce que les gens font en deux ans, tu vas faire en deux mois. Maintenant, les choisis, je veux que vous compreniez qu'on est connecté. Ce n'est pas la blague. J'ai parlé au moins trois choisis aujourd'hui. Ce n'est pas la blague. Généralement, il faut regarder ce qu'on appelle les full moon, les pleines lunes, quand il y a Avant que regardez ces aigles, c'est tous les blancs, pardon, qui t'avais ça. Un choisi, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui est connecté. Satellite universel. Et dès que j'ai parlé avec trois choisis aujourd'hui qui m'ont confirmé que depuis deux, trois jours là, l'autre même, ces règles sont venues avant le temps. Donc. Et quand c'est comme ça, généralement, quand tu es dans cette période-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Decepticons qui sont en train de se battre contre vous, mais vous ne les voyez même pas.
Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de s'asseoir et complotent ouvertement contre vous. Le genre que quand tu entends ce qu'on disait de toi, ça, tu as eu, que c'est quoi ça? Ah, vous venez vous rire avec moi. Eux, ils s'asseyent, ils planifient. Ils planifient. Bonsoir, Père spirituel, je vais très bien, mon roi. Ils planifient. Le truc, c'est que, en tant que choisi, vous devez. C'est pour ça que quand vous êtes passé à les églises, on a dit que jeûne, 50 jours, prie, 25 heures d'affilée, tu fais tout, tout. Après, tu dis que non. Si je fais ce que vous dites, je fais ce que vous dites là, mais après, ça casse ma foi. Un choisi. Ouais, tu cherches les mots. Je cherche les mots. Tu restes comme ça. Ton esprit en train de se battre quelque part contre 50 décepticons. Tout ce que tu sens, c'est seulement que. C'est comme ça que les doutes viennent brûler dans ta tête. Comment dire que... Et c'est pour ça que la parole est importante. Parce que plus tu t'élèves, à un moment, les anciennes pensées qui venaient souvent dans ta tête là, parce que c'est que le décepticon font, c'est quoi? Quand tu es encore jeune, on t'amène dans des endroits où on te dit, tu sais, les femmes de notre famille ne se marient pas. Tu sais, les gens comme ça ne font pas ça. Tu sais, donc on te met des choses dans la tête. On te plante des idées dans la tête en avance. Parce qu'on sait que tout va se passer là-dedans. Voilà, Justine, justement. Les règles sont venues avant le temps. Ça se passe en haut là. Je veux que vous commenciez à croire que vous n'êtes pas connecté seulement au petit. J'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, je lui ai dit que voilà le téléphone sinon. Le téléphone s'est connecté à quoi? Rien. Tu restes à 20. Si tu peux croire pour le téléphone, pourquoi tu ne veux pas croire pour toi? Avant, je me disais, mais je suis une personne sur 8 milliards quand même. Non. Non. Quand Jésus se mettait devant, il dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. That's big. That's big. Tu me dis que je dois croire que sur 8 milliards, là, je suis un. My. That's good. That's big. Ça, c'est... Donc, ils vont vous mettre les idées dans la tête en avance. Alors, mettez mes cœurs. Partagez maintenant. Vraiment, de cette icône-là, vous allez que seulement ça comme vous voulez. Oh, yeah. Voilà, angoisse. C'est ça. Ouais. Tu t'es réveillé à 3 heures. Exactement. Même moi, le matin, j'ai appris qu'un de mes amis très proches a été impliqué dans un accident hier soir. Un accident qui était mortel, mais il s'en est sorti. Apprenez à être sensible. Donc, déjà que si on fait ça là, tu peux dire, comme quand vous goûtez la sauce là, vous connaissez. Il y en a parmi nous qui sont tellement fortes qu'on peut préparer avec les yeux. Tu peux pas quand tu jeûnes. Tu déposes la nourriture à table et le sel est net. Tout est net dans la nourriture. Devenez maintenant les choisis qui connaissent le goût de leur nourriture. Et j'ai précisé que celui qui a un mois et celui qui a 100 ans dans le monde est choisi. Personne ne dépasse l'autre. C'est seulement que celui de un mois là, il reste un peu seulement comme ça. Souvent il fait da 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 da. Il parle un peu ce qu'il ne devait pas dire là. Et celui de 100 ans connaît qu'on ne dit pas ça, on s'assoit pas ici. On ne fait pas comme ça. Maintenant, tout pour vous, c'est que vous devez rapidement. Faites comme ça là. Esprit, qu'est-ce que tu dis? Là, par exemple, on parle, on dit que depuis quelques jours, 2-3 jours, si vous étiez sensible, vous allez voir qu'il y avait un peu. Dans la même sensation que vous aviez depuis 2 jours là. Donc, les prochains jours qui arrivent, observez, voyez comment ça se passe. Et les choisir, hein, c'est un peu comme quand tu es dans le rêve souvent.
Beaucoup d'entre vous faites souvent les rêves où vous êtes bonsoir la reine Minette, bonsoir la reine Meka, bonsoir la reine Mourba, bonsoir Tabat de la Luna. Je ne sais pas si tu es une fille ou un homme. Donc, beaucoup d'entre vous, vous faites souvent les rêves où vous vous voyez dans une armée. Et puis, vous devez aller sauver quelqu'un, ou bien tu es un espion, un agent secret. Là, tu escalades les murs. Tu tombes là-bas. Ouais, laissez-moi voir ça. Tu cuisines sans goûter, hein, Foucault? Bonsoir, la reine Valérie. Rien n'est au hasard. Ce qu'elle vous dit là, vous n'allez pas voir ça à la télé. Ce n'est pas sur TV5 que vous allez voir ni TF1. Exactement, ils vont imposer. Ils sont déjà en train d'imposer même. Et justement, le monde a besoin de la foi des choisis. Les choisis ont une telle puissance. Vous voyez souvent le genre de film où il y a une armée qui vient contre 100 000 personnes, qui viennent contre 2 personnes. La tête te dit que ça, c'est impossible. Allez dans la Bible. Il y a des batailles où ils sont partis. Ils arrivent comme ça, là, ils prennent les assiettes. Les assiettes là. Ils arrivent, ils prennent la trompette. Pro, pom, 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 pom. Ils commencent à taper. King, 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 king. Comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Le mur de Jéricho. Encerclez-moi de tout là, contournez ça 7 jours. Chaque jour, vous faites une fois. Chaque jour, vous faites. Sans parler, ne parlez pas. Il n'a pas dit à Dieu, je vais vous prier 20 heures. Faites, ne jeûnez pas. Tournez seulement autour. Demain, vous levez encore. Tournez encore tout. Demain, vous levez encore. Tournez encore tout. Tournez encore tout. Le dernier jour, faites 7 fois. Imaginez. Parfois, quand il lit la Bible, j'aime rentrer dans le film de la Bible. Je le regarde aussi. Que vous marchez quoi? Dieu nous a dit de marcher. Et quand on dit que Dieu a dit, notre roi Moïse, Josué, Josué est resté, il a eu l'inspiration. La voix n'est pas venue d'en haut dire, marchez pendant 5 jours. Une personne est restée, il a dit, levons nos marches. Levons nos marches. Levons nos marches. Ils ont cru. Imaginez 3 millions de personnes qui s'élèvent. Parce qu'on a cru qu'une personne a parlé, a compris ce qu'il fallait faire, venant d'en haut. Ce que les astres disaient là, ce que. Donc, il a capté. Levons-nous, on fait ce qu'il a dit là. Levons-nous. Les voilà, premier jour. Et en faisant ça, tout le monde ferme la bouche. Zipit. Deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Il se lève le jour et dit que, chers amis compatriotes, aujourd'hui nous allons contourner 7 fois. 7 fois. Il se lève, ça va, ok? On commence à 7h00. Premier tour, 1h, 8h, on se retrouve. Deuxième tour, 9h, on se retrouve. Troisième tour, 10h. Quatrième tour, 14h, ils arrivent. Quand on finit, tout le monde va crier. Ok? Et je crois que quand on lui a même dit de crier là, on ne lui avait pas dit que quand tu vas crier, le mur va tomber. On a seulement dit que crie. Je vous dis comment Dieu va vous parler. Vous allez accomplir les choses quand on va parler de vous dans les journaux. Rappelez-vous seulement, vous dites que oui. J'écoutais souvent une fille sur Facebook là, oui. Comme Joseph avait dit à l'autre là. Mais quand tu arrives devant le roi, rappelle-toi de moi. Il arrive, il oublie. C'est 4 ans plus tard, 3 ans plus tard qu'il dit que oui, il y avait un homme là qui interprétait les rêves là. Il dit que vous avez fini le 7e tour. Criez maintenant. Ils ont entendu crier, voir comment les murs font. Et les murs de Jéricho, c'était des murs cubiques. Où est le cube, non? Roule-moi le cube, tu le mets sur l'autre face. Roule-moi encore le cube.
six chevaux pouvaient monter sur le mur là en même temps. Donc, on te met 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit courir ensemble. Les gens avaient construit leur maison sur le mur là. La direction divine que vous recevez. Tu as compris? Le roi peint spirituel. Selon la direction, si Dieu vous dirige à le faire, faites-le. Il y a des choisis qui n'ont pas connu l'impact du corona. Je ne vais pas vous mentir. Quand Dieu m'a demandé de venir en Afrique, je suis arrivé ici là, 6 mois plus tard, le corona a frappé. J'ai fait 13 ans en Europe. Mais voilà, dès que j'arrive, on a commencé à parler du corona en fin décembre, là, non, début janvier. Confinement, c'était en mars. Si vous écoutez, if you listen, je préfère que vous soyez des gens qui écoutent plus que tout. Votre plus grande capacité, ce sera d'écouter l'esprit. Parce que l'esprit connaît. On va prendre encore quelle bataille. Dans le livre de Juges, ou encore l'autre, Gédéon. Gédéon, quand il devait partir pour se battre, il avait 10 000 soldats. Le Seigneur a réduit jusqu'à ce qu'il y ait 300. Ils partent 300 contre des milliers. Peut-être qu'ils avaient 22 000 de l'autre côté, 22 000 ou 30 000 comme ça. Et eux, ils sont 300. Imagine un peu, tu es dans le genre d'armée là. Dans la nuit, quand tu vas dormir, toi-même, tu vas dire, là, c'est pas le suicide, que c'est quoi là. Tu te tournes de l'autre côté. Mais ils avaient la foi. Vaudrait mieux pour vous de partir en bataille avec un petit effectif. Petit effectif. Au lieu de partir, tu te dis que j'ai les gens avec moi. Même vous, quand vous voyez cela, non, je vois 90, je vois parfois 100, 120. Je sais qu'à le moment venu, les vrais là, ils ont tenu, de toutes les façons, ils sont déjà, je les vois déjà de toutes les façons. Ève, c'est toi qui voulais supprimer sur la page ici l'autre jour. C'était toi. Oh, Baba saoulé. Oh là, arrêtez. Merci Mohamed. Je n'annonce pas la peur. Je ne propage pas la panique. Hier, quand dans l'enseignement biblique, on fait des cours, on a commencé des cours de Bible, études bibliques. J'ai pris le dictionnaire, je leur ai défini ce que le gospel signifie. Gospel, ça veut dire bonne nouvelle. Gospel, à la base, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas le gospel dans le journal. C'est pas sur TV5, c'est pas sur toutes les chaînes. Si, eh bien, je prends la Bible, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Ah, tu sais quoi? Hey, il faut que tu te... Hey. Quelqu'un vient, il dit, ça va aller, ne t'inquiète pas. Prends confiance en toi. Tu peux le faire. Il n'a pas tendu la Bible. Celui qui m'a prêché l'évangile, c'est celui qui est venu avec la bonne nouvelle. J'ai ma copine qui m'a donné son témoignage aujourd'hui. Bonsoir le roi Arnaud. Bonsoir la reine Elodie. Elle me dit que ma copine a trouvé des témoignages. Quand elle était en Angleterre, je vous parle souvent de celle que elle avait son foyer, son mari l'a trompé un moment. Après, elle a décidé de croire et tout ça, elle est restée dans son mariage. Aujourd'hui, on s'est parlé, ça fait au moins 4 mois qu'on ne s'est pas parlé. Elle me donne son témoignage du corona. C'est une femme qui, sa foi a toujours été le genre que
Elle ne blague pas avec sa dîme. Elle ne blague pas avec sa foi. Elle est quoi? Elle est care assistant. Donc, les maisons de repos là, elle travaille avec les enfants. Mes enfants qui ont des problèmes mentaux. Elle travaille à Coventry, en Angleterre. Bonsoir, bonsoir, entrez, bonsoir. Elle arrive donc. Elle me dit, est-ce que c'est que depuis que le corona a frappé, son mari est à la maison depuis février, on est en septembre. C'est en septembre qu'il reprend le boulot. Ça fait 3 jours qu'il a repris le boulot. Physiquement. Elle dit que de tout le corona, tous les confinements qu'on a fait, elle n'a jamais été à court de boulot. Elle me dit donc, elle travaille avec 21 membres de staff. Donc, ils sont 22. Elle est la 22e personne. 21 personnes dans son service, c'est-à-dire tout le service a été testé positif au corona. Même l'enfant dont elle s'occupe, quand elle s'occupait de l'enfant, on est venu avec le résultat du test, on a dit qu'il a le corona. Devinez un peu. Bien sûr, elle n'a pas le corona. Elle dit que je n'ai jamais manqué le boulot. Quand on dit qu'on coupe les gens, on fait never, me, never, I never lacked work. Elle dit qu'on dit qu'elle a développé les anticorps du corona. Elle dit anticorps de quoi, 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 quoi. Elle dit qu'elle ne veut même pas savoir. Tout ce qu'elle sait, c'est que tous ses collègues étaient testés positifs. Les malades dont elle s'occupe étaient testés positifs. On l'a testé, on a retesté, on a encore testé. Pas de corona. Vous devez connaître qui vous êtes. En fait, quand elle me parlait, parce qu'on connaît notre histoire depuis longtemps, elle et moi, 2013-2014, on connaît nos galères. Quand on faisait les groupes de prière à l'église, il n'y avait qu'elle et moi. Souvent, elle responsable m'appelle, elle me dit que prie pour moi. Souvent, elle appelle, elle dit prie pour moi. Elle me dit quelque chose que I don't joke. I don't joke with this, I don't joke with that. Il m'amuse pas quand il s'agit de ça et ça et ça, ça. My God. Même s'il y a n'importe quoi qui se prépare. Vous voyez, quand vous voyez souvent les films, il y a l'acteur. Moi, je suis l'acteur du film. I am the actor. Déclarez pour vous-même, je suis l'acteur. Je suis pas l'actrice, je suis l'acteur. On n'essaye pas de briller. On prie. I'm not trying. I am. Quand Dieu dit je suis, I am. I am. I am. L'orange ne va jamais devenir. L'oranger ne va pas dire il faut que je fasse les pommes. Il faut que je fasse les pommes. Il grandit seulement. Une branche sort. Une branche sort. La pluie tombe. Tu veux, tu ne l'arroses pas. C'est dans ton jardin, la pluie vient seulement l'arroser. Thank you. Thank you. Une autre branche sort. Une autre branche sort. Ils jouent, tu vois. Regardez-moi les arbres. Ils vont souvent vous dire comment ils dansent. Tu viens, tu coupes un peu ici, là, comme ça, là. Tu coupes ici, là. Il sort de l'autre côté. Tu fais, il fait comme ça, là. Après, quand le temps des fruits vient, il fait. Il donne ses fruits. Ça commence à tomber. Sortir, là. Piou, piou. Piou, piou. Après, ça mûrit. Et ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Donc, ne cherchez pas à devenir la lumière. Vous êtes. Quand tu prends l'ampoule, tu mets au centre de ta maison là. C'est pourquoi? Tu ne dis pas que non, ça ne va pas donner, peut-être ça va donner une. Non, l'ampoule a été conçue pour briller. Ça ne peut pas faire autre chose, ça ne peut que briller. Donc il n'y a pas d'autre option. C'est juste ça. Il n'y a pas. There is no other option. Vous devez vous connaître. Ce soir, je vous donne l'autorisation d'être vous. I allow you, I give you permission. Be you. Be you. Une personne se m'a dit, je suis l'acteur. Ok, reçois ta part d'action, ma chérie. Je vous ai dit, dites, je suis l'acteur.
Personne n'a dit, ne dites pas où. Évidemment, on ne fait pas la pub du sel. On cherche le sel. Ne mets pas le sel dans ta sauce, tu vas confirmer. Ne mets pas le sel dans la sauce, tu vas lire. Pendant le corona, c'est là que j'ai commencé à aller dans les orphelinats, non? Je vais dans tel orphelinat, tel, je travaille. Oh, les gens qui m'ont même dit, je me rappelle, j'avais un ami quand il venait me visiter. S'il avait l'argent à donner, c'est lui qui me donne l'argent. Il prend l'argent, il met dans le papier. C'est lui qui peut me donner les germes. Il prend comme ça là, il fait. Je touche ici là, comme ça là, je prends. Quand il prend l'argent, il se lave les mains. Moi, je me lave pas les mains. Je prends et tout, et bon, il y a ça. Un mois plus tard, il a attrapé le corona. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas encore vu. Le corona n'a pas encore frappé à ma porte. Je suis sûr que j'ai à contracter ça. Je suis sûr que je suis passé en contact avec ça. Vous devez connaître. Quand la Bible dit qu'aucun malheur ne va te frapper, que ça va toucher 10 000 personnes là-bas, ça va toucher là-bas, ne fais pas pour imiter les gens. C'est pour ça que quand ça prend, je n'ai même pas besoin de dire. Je sais. Je peux dire pour l'information des autres, mais moi, je sais. I know. I know that I know. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne va pas entrer chez toi. Tu n'as pas besoin de dire que ça n'entrera pas. Tu sais. Je veux que vous arrêtez un peu trop d'utiliser les mots. Tu vois, tu as vu quelqu'un, une soeur de l'église. Elle vient. Tant que l'ongé me la touche. Elle vient dire, pauvreté, tu n'entreras pas chez moi. Pauvreté. Après, elle dit que tu n'as pas 500 là-bas. Et toi, tu n'as pas parlé contre la pauvreté. Tu sais que tu ne peux pas être pauvre. Il y a une différence entre savoir et dire. Vous me comprenez? Quand elle sait quelque chose, elle. Donc même si je dors dans le rêve, je vois que donc dans le fin fond, la troisième couche de mon subconscient, je vois ça, je dis no way, never. Mais une autre personne, ouais, hey, ah, au nom de Jésus, ah, ah. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour. Ça vole, tout le monde voit. Tout le monde en parle. Et toi, tu es là, tu regardes. Hé, hey, fuis! Hé, hey, tout le monde! Vous n'avez pas. Arrêtez de trop parler, ne parlez pas trop. Il y a même un niveau où hein, tu ne professes plus en désordre. Il y a un niveau où tu ne parles plus n'importe comment. Et généralement, ceux qui savent, ça se voit par leur action, leur comportement. Imagine un jour tu arrives dans une salle, il y a un incendie. Tout le monde court. Oh, oh, l'ascenseur. Tu vois une personne qui est assise sur une chaise quelque part, il est comme ça. La personne là sait quelque chose que les autres ne savent pas. La personne sait et croit quelque chose que les autres ne savent. Peut-être les autres savent, mais ils ne croient pas. Vous voyez que dans le film, l'acteur, il a toujours une foi. Non, l'acteur est sûr que sa part va donner.
Merci Clarence Bidjan. Hey, Eve, tu sais quoi? Hein? Bye bye. Bye bye. Tu as compris? Bye. Tu as travaillé pendant la première vague qui a tué beaucoup en France en 2020. Oui. 30 patients de Covid. Waouh. Waouh, Charlotte. C'est la grâce. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Regardez le film, hein? Pourquoi je reste et 1 000 meurent? Ça veut dire que dans ton quartier, s'il y a 3 000 personnes dans ton quartier, le tiers de ton quartier meurt. S'il y a 20 000 personnes dans ta ville, la moitié de ta ville meurt. Peur spirituelle. Tu as beaucoup de kamites qui m'ont commencé, ont commencé à m'approcher en me disant ça. Je suis désolée. La couleur, toutes ces choses-là. Je préfère d'abord que les gens comprennent pourquoi cet homme est venu. Il a fait ce qu'il a fait. Peu importe qu'on dise qu'il existe ou pas. Peu importe. S'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'il y a les paroles dans la Bible ici. Que quand tu lis, tu mets ta foi. Parce que ça, c'est un code. Ça s'ouvre et ça s'active avec ta foi. Je veux que les gens croient. Quand les gens vont, quand les paroles vont se révéler aux gens. Parce que là, ça, là, ça parle de moi. Ça ne parle même pas de Jésus. C'est moi. It's me. Donc, que la peau était noire, que c'était blanche, qu'il ait vécu. I don't care. Si ça se révèle à moi. Et ça me montre qui je suis. Il y a beaucoup, que ce soit des kamites, que ce soit des chrétiens, peu importe ce qu'ils claiment, ils ne comprennent pas qui ils sont. On vous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Non, je suis un petit dieu. Dans l'enseignement biblique aujourd'hui, j'ai comparé au chocolat, le mambo. Je prends la forme la plus simple, le mambo. C'est pour ça que beaucoup, Camille, peu importe votre religion, peu importe ce que vous confessez, vous êtes là, vous êtes pauvre, vous êtes malade tout le temps, vous êtes. Pour moi, tous les fondations là, I got the power. I need to know I have the power. You need to know you have the power. Quand le power va se manifester, toutes les petites différences là, ça n'aura plus d'importance. Bloque maintenant beaucoup, hein. Je bloque. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous allez venir pervertir ce que je suis en train de dire. Je vous bloque. Pendant que je suis en train de parler, je bloque. Donc, si vous voulez enseigner, allez créer une page Facebook. Vous enseignez dessus. Ceux qui ont des choses que vous allez dire, ils vont vous écouter. Beaucoup de personnes, vous ne connaissez pas les chapitres de la Bible aussi. Même si vous connaissez, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Si vous dites que Jésus était blanc, il était ceci, il était, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Maintenant, tu commences à dire oui, les blancs là, vous êtes venus. Le corona ne connaît pas le blanc, il ne connaît pas le noir. La pauvreté ne connaît pas le blanc, ça ne connaît pas le noir.
Moi, je ne me suis jamais vue comme une femme noire. L'esprit qui est dedans moi, là, c'est trop grand. Le corps, c'est trop petit. Donc, ça, là, c'est pour clarifier. Parce qu'il y a des gens qui avaient bloqué là. Je vous sens un peu. Quand ça ne va pas, il fait seulement piou. Voilà. Parce qu'il y a des gens ici qui ont soif de la vérité, qui est en train de résonner en eux depuis. Ça résonne. Ça fait comme la cloche. Ding-dong. Donc, quand ils écoutent ce que je dis, il dit que c'est ça, je savais, je savais. Joséphine, ange gardien, tu sais quoi? Je vais te bloquer. Ok? Je le redis, je ne suis pas ici là pour. Je sais qu'il y a beaucoup de Decepticons. Vous venez vous connecter ici là pour me regarder. Donne-moi ma part d'avertissement. Oh ha! Qu'est-ce bien? N'aie pas peur de vous. Les gens qui ont besoin de mon message, ils sont en train de getting what I'm saying. Ils comprennent ce que je dis. Et ça les aide. Continuons notre chose. Quand on dit que 1000 vont tomber ici, 10 000 vont tomber là-bas, ça veut dire que tu peux être dans une ville, on te dit chaque jour que 5 personnes sont mortes. Oh, tu connais la voisine là, non? Elle est morte avec ses 5 enfants. Les mauvaises nouvelles arrivent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voyons ce que la Bible dit de toi. J'ai tenu la page pendant des années. J'avais parfois 10 personnes dans mon direct. Que 1000 tombent à ton côté, psaume 91, verset 7, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Attendez, on va commencer à venir vous dire, oh, il faut faire ça. Va là-bas, fais ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Et ne mélangez pas votre foi avec quelqu'un d'autre. Parfois, personne s'en parle. Tu dis, non, voilà ma personne. Ça, c'est ma bombo. Dans le cœur de ta bombo, là, elle a peur jusqu'à. Elle passe son temps au téléphone. Hé. Toi, tu es là, tu crois. Elle attrape la maladie, elle meurt. Tu commences à dire, voilà. La Bible n'en est pas. Ça ne disait pas la vérité. Crois ta chose. Et quand ils vont venir, ils vont parler le langage que vous parlez. Hein. Ils vont parler un peu comme vous. Moi aussi, je crois. Voilà, moi aussi, je. On te citer les. Tu commences un verset, ils finissent. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Il y a le psaume 34. On a lu ça hier matin. Celle qui a lu, elle avait le goût de ça. Elle avait le goût de ça. Elle-même, elle a lu, elle a lu. Après, elle est responsable, elle a dit que mince. Psaume 34. Verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur ma page quand vous étiez en jeûne. Donc vous avez décidé que je vais jeûner. Seigneur, c'est tout. C'est bon. Vraiment, cette chose doit partir de ma vie. Troisième jour, tu tombes sur ma vidéo. Et parfois, ce que je parle, c'est abstrait. C'est genre, elle n'est pas venue m'enseigner 50 lois financières. Mais ça confirme ce que l'esprit te disait. Parce que dans les temps où on vit là, vous devez être conduit par l'esprit. Pas par votre gars, pas par votre sexe, mais par l'esprit. On va prendre le verset 7, psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
Psaume 34, verset 8, vous en aurez besoin. Et il les arrache du danger. Oh! Regarde, moi, c'est sucré. Ça veut dire que souvent, quand il restait comme ça, là, tu as raison de dire que ah, là-bas, hey, on attaque là-bas, on kidnappe les gens là-bas. Tu restes ça, là, tu dis, ils ne connaissent pas qui est avec moi. Tu arrives là-bas, tu passes, c'est comme si on n'a pas vu ton véhicule. Ça passe seulement ça, là. Tu arrives à bon port. Parce que tu connaissais qui était devant, qui était en haut de votre voiture. Il est temps que vous croyez ce que la Bible dit. Pas que vous confessez au pasteur, vous récitez 50 fois, il dit bien fait. Dans ton cœur. Après, il dit, verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon. La Bible a le goût. Hein? Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Seigneur, j'ai 4 factures. Voilà, ça c'est l'avant-dernier jour du mois. Non? Seigneur, je te crains. Rien ne peut me manquer. Prenez la Bible comme ça dit, comme c'est là, like, as it is. Comment on dit, literally. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de biens. Quand on dit aucun, là, ça veut dire que c'est beaucoup. Venez, mes fils, écoutez-moi, venez. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Tata Jocelyne va vous enseigner la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? En fait, Dieu veut que tu restes en vie pour être heureux. Hey! Jesus! Jesus! Donc, il veut que tu sois en vie pour être heureux, pas pour souffrir. Dieu ne veut pas te garder en vie pour que tu souffres. L'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal. Quand ça dit préserve ta langue du mal, arrête de dire ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible. Ah, tu sais, on ne connaît jamais. Hein? Le pays est dangereux. Hein? Si vous trouvez le passage dans la Bible qui dit que le pays est dangereux, pardon, montrez-moi. C'est Proverbe quoi? Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ça là, c'est sucré. Un tiers de cette Bible parle de Jésus. Ça veut dire que même si on laisse l'affaire de Jésus là, il y a encore 2/3. Regardez. Mais vous parlez de quoi? Voilà là où le Nouveau Testament commence. Regardez. Tout ça là, il n'y a pas Jésus dedans. Donc si on veut même débattre de sa couleur, voici seulement la petite partie. Comprends d'abord ça. Comprends d'abord ceci. Laisse ça. Comprends d'abord ça. Ne vous laissez pas distraire par les choses qui ne vont pas vous aider. Et la Bible, c'est un recueil des histoires. Des gens qui ont cru. Abraham reste avec son père. Vous savez que le père d'Abraham s'était aussi levé. Il dit que j'ai cru que Dieu m'a parlé. Allons. Il commence à voyager. Il voyage avec son père. Il arrive à un endroit. Son père dit, ah, restons ici. Abraham dit, mais papa, on est quittés, on partait à tel endroit. Non. Il dit, non, 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 restons ici là. Quelques années plus tard, Abraham commence à sentir dans son cœur que Dieu me parle. Papa, je vais partir. Oui, je vais partir. Parce que Dieu avait prévu que dans la descendance, elle devait partir à Cana. Le père écoutait, il n'a pas fini. Le fils s'élève aussi par la foi, il part. En route, Dieu lui donne les richesses. En route, Dieu lui donne l'enfant.
En route, Dieu donne, il donne, il donne. Et quand Sarah est morte, Abraham s'est encore marié. Hein? Il a beaucoup d'enfants. Hein? Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Isaac et Ishmaël. I always look good, Paul. Thank you. I always look good. Always. I always feel good. Et Abraham a fait son chemin. Il est arrivé. Il a déposé tout. Il a dit à Isaac, prends la relève. Et quand vous voyez bien, chacun, quand Isaac a commencé, il n'a pas commencé avec la fortune de son père. Ce n'est pas la fortune d'Abraham qui a rendu Isaac riche. Ce n'est pas la fortune d'Isaac qui a rendu Jacob riche. Quand Dieu vous prend, il dit, come here. Il veut faire quelque chose de grand et de nouveau à travers toi. Il a pris Abraham, il a sorti de la maison de son père. Verset, chapitre 12, Genèse. À partir de chapitre 13, c'est-à-dire le prochain chapitre. Verset 2. Abraham était riche en or. Attendez, je vais vous lire ça. Et que c'est moi qui écris. Genèse chapitre 12. Il appelle Abraham. Prochain chapitre, Genèse 13. Il lui dit, bonsoir le roi Feuillot. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Bon, verset 2. Abraham était très riche. Jocelyne était très riche. En lingots d'or, en argent. Les troupeaux, bon. Je suppose que si j'ai 1000 bœufs, ça veut dire que je suis très riche. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Donc voilà la richesse d'Abraham. Après, Abraham maintenant a fait des alliances avec Dieu. Il a donné ses offrandes. Il a donné sa dîme. Quand il meurt, dans Genèse 14, il donne sa dîme à Melchizedek. 15, il donne des offrandes, il offre des animaux à Dieu, il coupe les animaux, il ouvre comme ça, il dépose à Dieu. Cherchons l'histoire d'Isaac. Dans Genèse 26, c'est là que Isaac commence après sa propre marche avec Dieu. C'est pour ça que montrez Dieu à vos enfants. Apprenez-leur à écouter. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. C'est généralement pendant la famine que Dieu utilise ses gens pour vous rendre riches. Joseph. Abraham. Isaac. L'Éternel apparut à Isaac, verset 2, et dit, ne descends pas en Égypte, ne pars pas en Bing maintenant, reste. Demeure dans ce pays que je te dirai. Communication directe avec l'Esprit. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi. Et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. On a envoyé la Genèse. Si vous êtes nouveau sur la page, bienvenue, vous êtes sur la page des choisis. Si vous m'écoutez pendant 10 minutes, vous allez un peu comprendre ce que c'est qu'un choisi. C'est quelqu'un de spécial qui a les super pouvoirs, qui est protégé par des anges, qui a une mission spéciale sur la terre. Ok. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. L'Esprit lui a dit, reste là-bas. Il est resté là-bas. Il n'a pas agi parce que tout le monde déménageait pour partir dans notre pays. Il est resté. Lorsque les gens lui du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, bon, pas ça. Il a donc eu l'idée de devenir agriculteur. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année. Pardon, écrivez, le centuple. Et l'Éternel le bénit. Donc, il y a la famine dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas la nourriture. Ça veut dire que les gens ont planté, ça n'a pas donné. Dieu lui dit, reste ici, va planter ta part. Il part, il trouve le champ, il plante. Alors que pour tout le monde, il ne donne pas. Dieu commence à le bénir. Regardez ce que les prochains versets disent. C'est ce qu'on va dire de vous bientôt. Bonsoir la reine Béaline.
verset 13. Si quelqu'un peut lire, lisez s'il vous plaît. Genèse 26, verset 13. C'est pas moi qui dis, pardon, lisez. La Bible, Jesus, Massa, pardon, lis le verset 13. Ce n'est pas seulement le centuple. Lisez le verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Ça veut dire que tu sens, il va à 200. Et si tu prends 200, tu plantes. Si 200 là va être multiplié par 400, va un peu. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Dieu n'a pas encore pris quelqu'un dans la Bible. Il l'a laissé dans la pauvreté. Arrêtez de faire le... Oh, je suis humble. Je ne veux pas croire que... What? What? Criez dans votre maison là-bas, je suis riche. La personne qui a retenu de vous l'entendre. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Hey! Yes! L'argent était venu, l'argent était venu, l'argent était venu, l'argent était venu. Il y a la famine dans le pays. Le business ne work pas. On te dit que tout le monde qui a fait dans l'agriculture, ça n'a pas marché. Dieu te dit, va faire dans l'agriculture. 2 ans plus tard, tu es milliardaire. Vous devez prendre la Bible, ça devient pour vous. Tu prends la Bible, tu dis que c'est pour moi. On dit, c'est pour moi. C'est moi ici là. Tu ne laisses personne te faire dire le contraire. Bien sûr, la Bible dit que en verset 14, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits que son père avait creusés, ils sont venus pour fermer, pour qu'il n'avance pas. Écoutez, l'argent était tombé ce soir, moi je vous dis. Vous, à 3 heures, Dieu va vous réveiller. Il va vous donner des idées de business. S'il ne vous donne pas, écrivez-moi demain, vous me dites. C'est que vous avez mangé le coquille avant de dormir. Le coquille qui te chauffe la nuit, là, tu n'écoutes même pas ce que l'esprit te dit là. Un des décepticons vient lui dire, va-t'en de chez nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Ceux qui ont essayé de le toucher la nuit comme ça, les anges les ont fessés. On les a chicotés. Regarde, tu sais quoi? Pardon, quitte du service ici. Pardon, pas. Tu es trop fort. Ils sont venus te chercher la nuit. Ils sont venus te chercher la nuit. On les a fouettés. On vient te regarder le matin comme ça là. Tu arrives au boulot, personne ne te parle. Tu salis tes voisins, personne ne te répond. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tes anges ont travaillé overtime. Overtime. Je suis en train de parler de la vie, c'est la réalité de certaines personnes. Certains, vous allez m'écouter, je ne suis pas là pour le show. Je ne fais pas le show. Je parle de la vie de certaines personnes ici. Et je sais que vous savez. Et vous savez que je sais que vous savez. Puisqu'on te dit, oh, que pardon, on s'est concerté tous dans l'immeuble ici. Il faut que tu partes. Je paye mon loyer à temps, je fais tout. Et c'est quoi? Ils sont venus te chercher. À la porte, là, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mof. Le lion les a touchés. Ouais. Les choisis, vous devez connaître. C'est parce que vous n'êtes pas devant moi. C'est que vous secouez comme ça là. Croyez. Vous êtes protégés. Ils ont peur de vous.
Ils savent que si une minute, tu réalises que tu peux, si tu lances le business, ça va pas marcher. Ils vont tout faire pour que tu ne saches même pas que tu peux lancer le business là. Je veux que votre esprit grandisse. Quand vous restez comme ça là. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Je ne suis pas là pour vous faire rire. Je veux que quand vous quittez de mon direct, tu es dans ça, tu planifies les choses. On dit, mais tu crois que je vais prendre l'argent ou tu ne veux même pas les entendre? Que je ne vais pas faire ça demain. Vous avez souvent fait engager les 2 heures de prière, 3 heures de prière, 4 jours de jeûne. J'ai dit, mesdames, ne gaspillez plus vos jeûnes. Quand tu jeûnes, tu élèves encore, donc tu deviens encore plus sensible. Ajoute la foi sur ça. Mets une pincée de foi. Mof. C'est étonnant de voir. Vous n'allez plus reconnaître votre vie dans 6 mois. Quand quelqu'un va venir te tenter, pour toi l'insulter. Parce qu'il est venu pour te dire que tu sais quoi? Tu sais, la vente des habits ne marche même plus trop. Hein. Dès qu'il entre comme ça, tu le dégages à distance. Que j'ai fait une vente de 5 000 euros la semaine passée. Tu me dis qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai 4 conteneurs qui sont en train que j'ai envoyé le mois passé. Tu me dis que qu'est-ce qui ne marche pas? Tu sais que parfois quelqu'un vient le matin, il te calcule, il sait que s'il te voit, il va te faire des problèmes. Quand il te voit passer comme ça, il voit, il sent la force qu'il y a avec toi. Il se ferme encore sa porte, cric cric, il te regarde seulement par les rideaux. Tout ce qu'il avait prévu là. Il oublie. Il sait que s'il prononce un mot, quand tu vas lui répondre là, quitte avec le reste forte. Je n'aime pas les consolations bizarres, les gens. Sois forte. Gna. Tu consoles le lion. Tu as déjà vu un lion, on lui dit que, oh mon petit lion, ça va aller. Oh, what? Tu viens même, tu veux le consoler, il va te manger, mais va, qui est à côté de moi? Don't look for pity. Parfois, il vous dit que même avant de m'appeler pour me dire que on m'a dit telle nouvelle à l'hôpital, que tu dis que quand le docteur m'a dit ça, j'ai éclaté en tongue une fois là, que chakarababa, je refuse ce diagnostic. Lui, il vient encore dire que, hey madame, vous savez comment on parlait de faire les examens? Ça, c'est bold faith. Bold faith. La foi qui est. Vous avez ça en vous. Parfois, les déceptions qu'on vient vous dire, tu sais, dans notre famille, ils ont toujours attaqué les femmes. Tu vois, quand ils commencent à avoir 35 ans, les fibromes dans le corps, les ceci, on vient planter ça dans ta tête, quelque part là. Tu rentres à la maison. Ton ventre commence à faire un genre. Une idée commence à venir. Tu as 35 ans, non? Peut-être sur les fibromes là, oui. Ils t'ont déjà atteint. Ils t'ont déjà touché. Ah là là, ils t'ont déjà touché. Tu te tournes dans le lit. Tu te tournes dans le lit. Apprenez à adresser les décepticons quand ils viennent vous parler. Certains vont dire, tu auras besoin de moi. Tu auras besoin de moi. Josiane Gonga, je ne sais pas si c'est toi que j'avais rendez-vous avec toi. Je veux que tu me recontactes après ce direct, s'il te plaît. Ils aiment faire, tu auras besoin de moi. T'inquiète pas. Tu as besoin de moi. Ils te laissent partir. Ils connaissent même ce qui va te dire, ne te disent pas. L'esprit va te dire. L'esprit va t'envoyer quelqu'un. Mais oui. Quand quelqu'un vient, le dialogue là, ne passe pas dans tes oreilles. Dès qu'il parle, après, bon, après on va dire que tu es insolente. Parce que tu ne digères plus leurs choses.
ils vont avoir peur de toi. On est venu dans la nuit. On a même pris l'avion. On est tombé sur le toit, ça n'a pas donné. On a même essayé dans la nourriture, ça n'a pas donné. On est même venu pour l'intimider avec les paroles, ça n'a pas marché. Je suis là. Je suis là. Et vous connaissez les gens qui sont en Europe. Il y a un peu un truc que les décepticons qu'on vous envoie souvent. Parce qu'ils passent par le net. Oh, il y a cette, la vidéo de la femme là qui a tué, a mis la pilule dans, dans le verre de l'autre homme là. Oh, c'est, écoutez. Écoutez. S'ils vont vous trouver là-bas, mais vous vous tuez, ils vont vous trouver. Ils vont vous trouver. Maintenant, commencez à comprendre. Vous croyez que quand vous arrivez au pays, vos anges se désactivent, ils font titude, ils sortent. Ok, débrouille-toi, comme nous au Cameroun, là, nous on ne peut pas agir, pardon. Hey, le Cameroun, hey, les gars là ont le cœur. Quoi? Ils sont toujours là. Arrêtez d'affaiblir vos anges avec vos paroles. Arrêtez. Quand j'avais 21 ans, je vivais avec ma tante en Belgique. Elle était bien portante. Elle vient au pays, elle fait 3 semaines. Elle se balade, elle va chez oncle, tante, ceci. Elle rentre en Belgique. Elle fait 3 semaines, elle meurt. On dit qu'elle a la leucémie, le cancer du sang. L'affaire là m'a traumatisée. J'avais peur du pays. Quand Dieu a commencé à me montrer, aïe, 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 oh là là. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Sachez identifier maintenant. Il y a les reportages ou les nouvelles que quand on, tu vois, tu dis que ça, ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Jamais. Tu continues. Ne dis pas que, hé, hey, maman, on n'est même plus sûr. Hein. Il y avait un décepticon comme ça aussi l'avant-hier, je pense. Il me faisait que dire que le pays n'est pas sûr. En tout cas, je l'ai bloqué. Les bloquer. Pas venir ici là, tu gardes la foi des gens. Tu crois que tu as la cour du roi Pétou. Fonctionnez avec le. Vous avez l'esprit en vous. Quand tu regardes la vidéo, tu vois un peu ton coffre, un genre là. Tu barres ça une fois. Que ça là ne va pas venir influencer mon. Ça ne va pas venir dans ma tête. Je refuse. Mes chers choisis, vous savez vous-même que vous êtes tous choisis. Quand vous dormez, il vous protège. Et si Dieu vous montrait tout ce qu'ils font, ce que vous ne vous inquiéterez même plus. Combien de fois peut-être vous étiez censé traverser la route, on vous cogne. Combien de fois vous étiez censé tellement de choses que vous avez ratées. Et vous êtes toujours là. Parfois, quelqu'un te dit que viens pas à tel endroit, tu restes sans ça, ton corps pèse. Tu n'as pas un peu envie de partir. Alors que je suis parti en route, tu allais faire l'accident. Ils sont là 24 heures sur 24. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que ça rentre dans votre tête, quand vous allez vous lever à 3 heures là, j'ai fait un cauchemar, ça veut dire que... Rappelle-toi de ce qui vient de te dire. Moral ne t'inquiète même pas, c'est l'onction qui est en train de parler. Ton onction est en train de s'activer, ma chérie.
Et là, je parle comme ça, je dois enlever mes chaussures des pieds, mes chaussures de mes pieds de mes chaussures parce que mes pieds chauffent. Ils me chauffent. Et c'est ce que vous ressentez parfois chez vous. Donc, ça ne manque pas. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. J'aime bien la chanson là. Il dit que tu peux toi rester ici, quelqu'un te tue après, il vient lui au deuil. Ouais, Seigneur, tu vas en vie. Il a eu l'inspiration. Il fait chaud à Douala. Serviette tout papier Lotus. J'avais un cauchemar, Faya. Les cauchemars, on les adresse. On les adresse. Ouais, moi, il y a le goût dans ma bouche. Il y a le bon de ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous avez passé à une autre dimension. Donc, si fait un jour, je ne poste pas, à part les dimanches, comme je ne poste pas les dimanches là, c'est que vous allez savoir dire non, 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 elle est où, elle est où? C'est comment? Le règne de typhoïde. Vraiment, toi, c'est. Faut que toi, là. Bon. J'ai déjà parlé. Ça fait 1 heure que je fais le direct. J'ai dit les choses très chaudes. Le 3 pour Yaoundé. Non, j'ai plutôt envie de faire quelque chose de virtuel. Physique, non, virtuel. Donc préparez vos agents. Parce qu'il veut que tout le monde à travers le monde profite de ça. J'ai envie de faire du virtuel. Jacques, l'énergie, là, on prend ça pour une journée, on développe les sujets. Et ça fait, ça vous skyrocket, you know, ça vous boum. Ah oui, elle t'énerve pour rien, oui. Exactement, tu as vu son vrai visage. That's it. Les Decepticons, c'est comme ça. Maintenant, tu dois t'entraîner à sentir, tu vois, les petits trucs que. Parfois, tu te dis que non, c'est seulement mon ami, non. Non, il y a des petits sentiments là, quand ça vient. À ce que souvent, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire? Non, le 3, ce ne sera pas le 3. Ce ne sera pas le 3. Je suis encore en train de. La plateforme de formation globale que je voulais faire, j'ai pu la set up aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de set up que je suis en train de faire. Parce que je veux, quand je me déplace pour faire les conférences, je veux. Parce que tu les choisis d'abord. Je dois équiper beaucoup les choisis. Et. Déjà sur mon plateau maintenant, là, j'ai beaucoup. J'ai tellement de choisis. Quand vous arrivez, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Donc, ce que je veux, j'ai déjà établi la plateforme où, quand vous arrivez, vous m'écoutez, vous pouvez aller en ligne vous-même. Vous choisissez d'abord vos prescriptions, comme là, le tout médical. Je commence d'abord par ça, après, je fais cette formation, après, je fais cette formation. C'est ça que j'ai envie de faire. Pour vous, l'argent, c'est rien, les choisis. Je veux que vous puissiez comprendre ça. Pour vous, c'est rien. Ça fait comme ça là, ça part. Ah, j'ai besoin de ça pour faire ça. Ça entre, ça part là-bas. Oh, j'ai besoin de ça pour faire ça. Ça entre, ça part là-bas. Les choisis ne manquent de rien. Maintenant, je voudrais que vous puissiez apprendre comment manipuler ce que vous avez. Comment faire mon pouvoir. C'est le pouvoir du feu. Il y a même un choisi qui est comme Sangoku.
Hier, je parle avec lui et puis j'ai une vision de lui. Je le vois quand même en Sangoku, les cheveux en feu. Et là, il me dit que souvent sa tête chauffe tellement qu'il sent que ses cheveux chauffent, puisqu'il baisse même l'eau sur sa tête. Donc là, en Sangoku, les gens peuvent les choisir. Et ce que je vous dis, c'est du réel. L'affaire de pouvoir, là, c'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est le vrai, vrai. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer plutôt off. Même dans l'étude biblique, il y a beaucoup. Aujourd'hui, alors, c'était tellement puissant. Il y a des choses que je fais en off. Pour que vous puissiez. Je veux que vous puissiez réaliser ce qu'il y a. Un jour, je crois que c'est quand j'étais dans l'avion pour venir au Cameroun. Je me suis vu en train de faire une école comme l'école des quatre des fantastiques. Je me disais. À l'époque, je ne comprenais pas encore les super pouvoirs et tout ça. Et là, je me disais, Seigneur, tu me montres que je vais faire une école des quatre des fantastiques. Et effectivement, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je veux qu'on reste sur ça là, le pouvoir du feu. Celui qui a le pouvoir du feu, comme si il reste comme ça là, il déclenche le feu, il fait poum, le feu vient chez ses mains. Celui qui a le pouvoir de l'eau, il reste comme ça, il commande l'eau, ça fait. Celui qui a le pouvoir de l'air, il reste comme ça là, il provoque, je sais pas trop quoi. Tout ça, c'est en privé. C'est en privé. Et comme ça fait 6 semaines. J'ai commencé tout ceci le 19 août. J'ai cette page depuis 6 ans. Mais les choisis, le message des choisis, je le porte depuis le 19 août. Donc ça fait à peine 1 mois et demi. Ce qui fait que je suis en train de mettre les plateformes sur pied. Je suis en train de faire beaucoup de choses. L'étude biblique, on l'a fait sur Zoom. Mais je ne prends pas tout le monde. Parce que j'avais un groupe qui a 100 et quelques personnes. Je vais diminuer ce groupe. Parce qu'elle donne les devoirs. Et je veux pas déjà que vous en ayez fait l'étude biblique, vous êtes en train de. Vous devez avoir votre livre, votre Bible devant vous en train de regarder. Parce que c'est quand tu regardes que tu es transformé. Donc je veux les gens sérieux. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'écoutent. Vous ne m'avez jamais contacté. Il dit Kameya. Ouais, Seigneur. Oh là là. Pour les pieds, généralement, sauf que la séquence est la langue, ça veut dire que généralement, peut-être tu vas prêcher ou bien tu as le don de parole, tu vas encourager les gens, motiver les gens. Les mains, généralement, c'est le don de guérison. Pour les pieds, s'il y a quelqu'un qui connaît, tu peux suggérer là-bas. Hein, pour les pieds. Donc je disais, il y a beaucoup de personnes, vous me regardez depuis. Vous ne m'avez jamais contacté. Il y aura un moment où je ne serai plus contactable. Vous me comprenez? Je ne serai plus contactable. Je précise bien le mot. Je ne sais pas si ça existe en français. Parce que. Non, ne m'appelle pas. Ne m'appelle. Tu veux m'appeler? Ne m'appelle pas, mamie. Je n'ai même pas d'abord le temps pour tout ce que j'ai. Il y a un moment où je ne serai plus contactable. Voilà. Moi, je vous dis seulement. Je préviens seulement. Parce que parfois, l'esprit vous dit, il y en a qui me regardent, l'esprit dit qu'appelle là, appelle là. Je n'appelle pas. N'appelle pas. Si tu crois que tu appelles, c'est pour moi, n'appelle pas. Tu as compris? N'appelle pas. Moi, je regarde le feu. Hein. Tous les décepticons là, quand un décepticon vient, je te regarde. S'il y a les mauvaises choses en toi là, tu vas arrêter ça toi-même. Toi-même, tout seul, tu vas arrêter. Quand il y a la vérité en toi, la vérité là devient comme un juge ou un jugement. Les mains qui démangent, parfois c'est de l'argent. Et vous dites contactable. J'y vais y aller. Il y aura un moment où je serai plus contactable. Les pieds en feu, oui. Bon, l'esprit me dit de te dire que ça veut dire que tu as appelé à. Tu vas aller à plusieurs endroits. Tu vas voyager. Je retenais ça depuis dans ma bouche, me dit de 10 ans. Tu vas voyager. À un moment, tu seras appelé à beaucoup voyager.
le corps qui bouillonne. Ça dépend du contexte. Quand ça bouillonne, tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu es en train d'écouter la parole? Est-ce que tu es en train de prêcher à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es en train de faire caca? Quand ça bouillonne, c'est dans quel contexte? Le corps, les oreilles. Les oreilles, ça me fait juste penser. Tu seras un messager pour beaucoup de personnes. Vraiment, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Parce que quand il parle comme ça, c'est qu'il vous dit, ah, j'entends aussi, je vous dis ça mal. Maintenant, tout don que Dieu vous a donné, il doit être exercé. Donc, si Dieu me donne un don, non, je le laisse, il dort. J'ai le don de prophétiser, peut-être je ne prophétise pas. Le don va s'ennuyer. Elle va se coucher, elle va dormir. Le don ne part pas, Dieu ne retire pas ce qu'il donne. C'est toujours là. Mais ça dort. Tendon d'Achille, non. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Hey. Vous savez quoi? Laissez-moi pas aussi me reposer. Quelqu'un t'est tué après, il vient lui au deuil. Ça bouillonne. Les yeux démangent. Les mains grattent. Les mains, généralement, c'est de l'argent. Tu es dans ton nouvel appartement. Waouh! Bravo! Il faut bénir. Bénis cet appartement, s'il te plaît. Tu demandes que le Seigneur t'inspire à partir de là. Laetitia, tu me dis que tu me demandes quel don tu as. Valérie, si tu m'envoies le voice de 20 minutes, je ne vais pas écouter. Ça va vrai. Il y a des gens qui m'envoient des voices de 29 minutes. Je dis, mais attendez vous-même. J'avance même, je fais x2. Même comme ça, là, c'est toujours chaud. Donc, soyez sages dans vos voices que vous m'envoyez. Envoyez-moi les messages vers 15h. Généralement, dans la journée, je suis très occupée. Donc, c'est vers 15h, là, quand je coule un peu, cool off. Là, je peux voir, je peux répondre rapidement. Le matin, non. Généralement, le matin, je me réveille parfois, je fais d'abord la prière, priorité. Et là, j'ai au moins 50 messages à répondre sur WhatsApp, tout ça. Là. Je crois que Lydie, tu entends ta paix à l'esprit qui veut te parler. La prochaine fois, il faut demander juste, Seigneur, parle, je t'écoute. Si tu entends ta paix, tu te tournes. L'esprit veut te parler. Bienvenue au club. Quand on mange le vin, on mange, on boit, je comprends pas. Tu as aimé chercher en février. Si tu as droit là. Bon. Mais choisis. Voilà. Tu as envoyé le voice de 30 minutes. Toi-même, Judith, si effectivement tu m'envoies le voice là, tu veux que je m'assieds pour 30. Sois raisonnable. Et si tu es déceptif quand tu me dis et tu me bloques une voix. Donc tu t'assois pendant 30, mais tu appuies ton téléphone. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Yes.
dis que mon rouge à lèvres donne, merci. Bon, quand ta poitrine chauffe, paume de main, le don de guérison généralement. Flora, bonsoir. Ta photo là m'avait trop plu, Flora. Vous savez quoi? Attendez, pas dormi. Vous allez vous me raconter aujourd'hui. Là, j'ai fini mon message. Ok. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord? Passez une très bonne nuit. Et rêvez de vos business, de votre argent. Bonne soirée à vous. Un choisi est décepticon en même temps. Parfois, un choisi peut donner son corps et sa voix pour être décepticon, non? Comment connaître ses dons? Qu'est-ce qu'il y a chez une autre personne qui t'attire beaucoup? Comme tu vois, elle parle là, est-ce que ça te. Tu te dis, waouh, j'aime comment elle parle. Peut-être qu'il y a le don là chez toi. Il y a aussi le don de prophétie. Qu'est-ce qui t'attire chez l'autre personne? Bonne nuit. Bye.